Salut à tous, la team OL, tout même show pour OL Fan TV. Très très heureux de vous retrouver en ce dimanche matin. Vous avez l'habitude de me retrouver le dimanche matin de ce point de vue, place Rouville à la Croix-Rousse, un point de vue sur tout Lyon derrière moi. Bon, là c'est un peu pollué aujourd'hui, il fait frais d'ailleurs, il fait 5 degrés, soleil. On est un petit peu frisquette pour tout vous dire. J'espère que vraiment vous avez passé un bon week-end. C'est la dernière vidéo de la semaine, c'est la trêve internationale. La France est qualifiée pour l'Euro. Ça, c'est pas mal, ça, quand même. Ça, c'est bon. Et on joue ce soir contre l'Albanie, un match qui compte pour du beurre. L'OL féminin, hier, a gagné contre le Paris Saint-Germain. Et oui, devant 30 000 spectateurs au Groupama Stadium, j'aurais peut-être pu y aller effectivement, mais mon planning ne me le permettait pas. Peut-être que certains d'entre vous ont regardé cette rencontre et pourront peut-être m'en parler dans les commentaires. Bref, si je suis là aujourd'hui pour vous faire cette dernière vidéo de la semaine, c'est pour vous parler un petit peu de la rumeur Alessandro Florenzi. C'est le joueur de la Roma. Vous savez, c'est une rumeur qui est partie de la presse italienne il y a quelques jours. Et la présence de Rudy Garcia, son ancien coach à la Roma, sur le banc de l'Olympique lyonnais, eh bien, a donné un petit peu de crédibilité à cette rumeur. Mais qui est Alessandro Florenzi? Eh bien, il a 28 ans et c'est un pur produit romanista, comme on dit. Le brassard de capitaine a été quasi exclusivement monopolisé par l'increvable duo Totti-De Rossi entre 1998 et 2019, vous le savez. Cette saison, c'est Alessandro Florenzi qui, après le départ de De Rossi au mercato estival, a hérité du capitana Giallorosso. Ça, c'était au début de saison. Ce capitana à Rome, c'est une vraie responsabilité, c'est surtout un faire-valoir puissant. La Roma, qui depuis son Scudetto de 2001, n'a remporté que 2 Coupes d'Italie, mais pourtant a gardé son aura via le duo Totti-De Rossi. Eux, ce sont des Romains pure souche avec un talent fabuleux qui sont restés dans la ville éternelle toute leur carrière, du moins pour Totti. Par amour du club et surtout par amour de la ville, ça c'est important, je vous en parle souvent, l'amour d'une ville, l'amour d'une tradition. Lyon, ça c'est notre ville. Eh bien Rome, ça, je trouve que ça correspond un petit peu à Lyon au niveau de cette tradition. Il y a quelque chose en tout cas. Florenzi, lui, il est dans ce chemin. Formé à la Roma, prêté à Crotone en 2011 avant de revenir à la Roma, où il devient la saison suivante un titulaire incontestable. C'est alors qu'on se prend à rêver pour lui d'un avenir d'héritier, finalement héritier du duo De Rossi-Totti. Les fans l'adorent, mais fin janvier 2018, sa relation avec le noyau dur de la Courvoisoud s'est effritée après une rencontre perdue contre la Sampdoria quand Alessandro empêche Nainggolan d'aller parler avec eux. Un signe vraiment qui a déplu aux supporters les plus radicaux de la Roma. Ses performances ont alors décliné. La saison dernière, celui considéré comme extrêmement polyvalent a vécu une très dure saison, marquée notamment par sa faute grossière contre Porto en Ligue des Champions, qui a provoqué un pénalty et surtout qui a éliminé la Roma. Florenzi, régulièrement la cible de la Courvoisoud après cet événement. Une injustice pour un joueur qui donne tout sur le terrain. Il est aligné souvent ailier droit, relayeur ou même arrière droit. Finalement, par sacrifice pour le collectif, sans jamais rien dire. Alors, c'est un vrai problème cette polyvalence parce qu'il manque d'automatisme et de constance à chaque poste qu'il occupe. Et puis, on va le dire, il n'est pas aussi talentueux que Totti et De Rossi. Mais il a pour lui cette rage de vaincre incroyable et cette confiance en lui illimitée qui lui permet notamment de marquer ce but magistral contre Barcelone en 2015. Allez le voir sur YouTube, c'est un but formidable, l'un des plus beaux, je pense, de la compétition.
Depuis le début de saison, il est un peu stabilisé en tant que latéral droit. Du moins, ça c'était avant que le nouveau coach Paulo Fonseca, je vous en avais parlé l'an dernier, Paulo Fonseca, c'est l'ancien coach du Shakhtar Donetsk qu'on avait rencontré en Champions League. Et il est arrivé à la tête de la Roma en début de saison. Fin septembre. C'est pour ça, notamment, que l'OL s'intéresse à lui. Vous savez, il est latéral droit du côté de la Roma. Nous, on aimerait bien concurrencer Léo Dubois à ce poste-là. Donc, c'est pour ça qu'on s'intéresse un petit peu à Florenzi. Son statut de capitaine quand Paulo Fonseca est arrivé, eh bien, il a changé. Parce qu'au début de la saison, ce statut de capitaine, il avait été validé par ses coéquipiers, notamment par Edin Dzeko, qui est un de ses proches. Et sa relation avec les supporters, eh bien, elle s'est finalement apaisée avec ce statut de capitaine. Mais, comme je vous ai dit en début de vidéo, cela va vraiment se tendre avec les supporters, avec ses coéquipiers. Je vous en parlerai un tout petit peu plus tard. Il faut savoir aussi que c'est un joueur fragile. Il a subi coup sur coup deux blessures au ligament croisé du même genou en 2016 et 2017. Ça, c'est une donnée importante au moment d'un recrutement. Et puis moi, j'ai regardé son historique de blessures depuis qu'il est arrivé un petit peu au niveau avec la Roma. Et bien depuis 2015, c'est 387 jours de blessures, c'est énorme. Alors, comme je vous ai dit, si on recrute Florenzi, c'est pour le mettre en concurrence directe avec Léo Dubois, parce que Kenny Tété, lui aussi, est un joueur extrêmement fragile. Alors, j'ai voulu comparer Florenzi au Dubois de la saison dernière. C'est quasiment autant de minutes de jeu chacun. Alors, si on prend la pieuvre sur Understat, vous allez la voir en infographie, on remarque que les deux joueurs sont quasiment à égalité. Florenzi reste plus fort sur les buts par 90 minutes, les tirs par 90 minutes, les passes clés par 90 minutes. Les deux sont à égalité dans leur capacité à prendre part à la création d'occasions de leur équipe ou dans les passes attendues par 90 minutes. Florenzi, c'est avant tout un bon centreur, mais aujourd'hui, il s'égare sur son point fort, comme Léo Dubois. Il tient bien son ballon et il aime surtout jouer long. C'est quelqu'un qui est capable, avec son pied droit, bien de sauter les lignes et de trouver vraiment ses partenaires, notamment à la Roma, un certain Edin Dzeko qui aime bien jouer en remise. Je laisse passer la rando VTT. Alors Rudy Garcia, je vous le disais en début de vidéo, il a connu Florenzi quand il entraînait l'AS Roma. Et d'ailleurs, à ce propos, quand il était à l'OM, Garcia n'a pas hésité à reconvertir Bounassar latéral droit en le comparant notamment à Florenzi, qui pour lui est un joueur polyvalent qui sait tout faire sur son côté droit. Vous voyez, il est dithyrambique avec Florenzi. Mais le joueur italien Florenzi, cette saison, c'est 21 matchs, toutes compétitions confondues, même avec la sélection italienne, 8 matchs seulement en Serie A, où Paulo Fonseca, eh bien, ne l'apprécie guère, on va le dire, et il préfère souvent Santon et Spinazzola. Spinazzola aussi, on l'avait affronté quand il jouait à l'Atalanta Bergame. Rappelez-vous, c'était il y a quelques saisons avec l'Olympique Lyonnais. Alors, la raison, eh bien, elle est tactique dans un premier temps. Il ne considère absolument pas Florenzi comme latéral en raison de ses lacunes défensives et il n'a pas non plus convaincu quand il a joué ailier. Alors, il se murmurait aussi que son caractère est très compliqué à Florenzi et qu'au final, les cadres l'auraient lâché en tant que capitaine à la mi-temps du match contre la Sampdoria cette saison, lui reprochant notamment son côté « je m'en foutiste et peu impliqué ». Alors, ce que je vous ai dit juste avant, c'est que c'était un joueur qui était ultra impliqué et qui surtout vraiment se battait pour ce maillot de la Roma, ce qui paraît assez compliqué. Mais il y a une scène assez incroyable, vous pouvez aussi la voir sur internet, cette scène entre, vous tapez sur YouTube, entre Kolarov et Florenzi. En gros, tous les joueurs vont rentrer sur le terrain, ils sont dans le tunnel pour rentrer sur le terrain en seconde mi-temps contre la Samp. Et il manque un seul joueur, c'est Florenzi. Florenzi qui est en train de discuter et rigoler, surtout avec un adversaire. Et Kolarov qui le pointe du doigt en lui disant
Il fout quoi encore l'autre? Il parle avec qui encore l'autre? Vous voyez, donc c'est comme ça que son statut s'est un peu effrité. Paulo Fonseca, il n'a pas hésité surtout à le mettre sur le banc de touche pendant 6 matchs consécutifs sans jamais le faire rentrer. Ça semble vraiment une sanction. Mais tout récemment, là, juste avant le match contre la Bosnie et l'Italie, Dzeko, eh bien, il lui a apporté son soutien parce que c'est avant tout son ami. Et il dit, Florenzi est notre capitaine, il est dans un moment difficile, mais il va retourner la situation, car c'est un grand joueur. Ouais, en tout cas, l'Olympique Lyonnais s'est placé sur le joueur italien qui vaudrait aujourd'hui 25 millions d'euros. Lui, il a un seul objectif, c'est être à l'euro. Mais être à l'euro, ça passe par un temps de jeu conséquent. C'est pour ça aujourd'hui... Cette rumeur, elle me paraît fondée, mais moi je vois mal un joueur comme Florenzi, malgré le fait qu'il y ait Rudy Garcia à l'Olympique Lyonnais, je le vois mal quitter le championnat d'Italie. Moi je pense qu'il restera en Italie. D'ailleurs, il a des pistes à la Sampdoria, notamment, à l'Inter et à Naples. Je ne pense pas qu'il aille à Naples, vu la situation compliquée dans laquelle est le club napolitain en ce moment, mais je ne le vois mal quitter cette Serie A pour la Ligue 1 qui aujourd'hui, on va pas se mentir, considéré comme l'un des plus faibles championnats des 5 ligues majeures. Florenzi, c'est aussi, je pense, pas forcément une très très bonne option pour l'Olympique Lyonnais. Un joueur qui est en perte de vitesse, qui est en déclin malgré sa polyvalence. C'est un joueur qui a été blessé, et moi, un joueur qui a été blessé notamment deux fois au même ligament croisé, ben, je trouve que c'est un gros risque, surtout à 28 ans. C'est un joueur qui n'est pas épargné par des blessures musculaires aussi. Donc il y a tout un contexte autour de ce joueur qui a évolué finalement qu'à la Roma, qui a connu qu'un seul club, pour s'adapter à un nouveau championnat, à une nouvelle équipe, une équipe qui ne tourne pas forcément très bien, l'OL. Tout ce contexte-là fait qu'aujourd'hui, j'ai de gros doutes concernant une arrivée de Florenzi. Moi, je ne suis pas convaincu par le joueur. J'aurais été convaincu à sa grande époque, un petit peu, quand il commençait à devenir un titulaire incontestable à l'AS Roma. Il avait beaucoup de talent. D'ailleurs, on l'a annoncé à l'époque au Barça. Hein. Tous les grands clubs s'intéressaient à lui parce qu'il avait cette sorte de débauche d'énergie. Il avait ce feu en lui qui lui permettait de dérouler de grosses prestations avec la Roma. C'était un petit peu, comme je vous ai dit, le petit prince de la Roma, celui qui devait hériter naturellement de ce capitanat. D'ailleurs, on a pensé à lui, parce qu'en Italie, c'est vrai que c'est ce qui prime un petit peu quand vous êtes d'une grande ville où vous avez des gros clubs. On aime bien les purs produits un petit peu de la ville, que ce soit Florenzi, que ce soit De Rossi, que ce soit Totti. Vous savez vraiment qu'on s'assimile à une figure. Puis si cette figure, elle peut être un peu guerrière, vous voyez, elle peut... Voilà, tout de suite, elle emmène avec elle cette figure... Les supporters, même les supporters les plus radicaux, les ultras. Et je crois qu'aujourd'hui, les ultras d'un club, ils ont besoin de s'assimiler à une personnalité précise dans un club, à un capitaine. Et aujourd'hui, moi, c'est ce que je trouve qui manque à l'Olympique Lyonnais. Alors, on avait eu Nabil Fekir la saison dernière, qui est un pur produit de l'Olympique Lyonnais, qui était notre capitaine. Mais sa personnalité fait qu'il ne pouvait pas emmener avec lui tous les supporters, et notamment ceux des Bad Guns de Lyon de 1950. Vous voyez, c'était pas, il n'y avait pas ce lien filial entre les deux parties. C'est pour ça que aujourd'hui trouver un capitaine à l'Olympique Lyonnais, pur lyonnais, et qui ait cette personnalité, pour emmener la foule avec lui, c'est compliqué. On a pensé à Oussem Aouar. Oussem Aouar, il a une personnalité qui est loin d'être engageante. Enfin, ce n'est que mon point de vue, mais bon, moi je vois plutôt un joueur effacé au niveau de la personnalité. Le seul un petit peu qui pourrait avoir ce côté un peu guerrier, emmener tout le monde avec lui, c'est Memphis Depay, mais ce n'est pas un pur produit de l'Olympique Lyonnais. Il n'est pas destiné non plus à rester chez nous très très longtemps. Pour ça, aujourd'hui, c'est dur d'avoir un joueur qui jure fidélité à son club, à sa ville, à ses traditions aussi. C'est rare, et c'est pour ça que avoir trouvé Florenzi en début de saison, c'était un petit peu marketing, c'était le moyen aussi
de lui dire écoute, tu es important pour la Roma, tu es important pour les supporters. C'est je t'aime moi non plus, mais la situation va se retourner. Malheureusement pour lui, je pense que ses prestations et peut-être son attitude l'ont contraint aujourd'hui à être dans le trou et vraiment à être discuté en tant que capitaine, même si Dzeko le défend toujours et qu'il parte de notre capitaine. Je crois qu'aujourd'hui, la situation se complique vraiment pour ce joueur qui va être obligé, s'il veut participer à l'Euro, de trouver un autre club. Parce que le temps de jeu, c'est indispensable. Il n'est pas dans la dernière sélection de l'Italie. Mancini ne l'a pas sélectionné. Alors que lors du dernier rassemblement, il ne jouait pas avec la Roma. Il a été sélectionné avec l'Italie. Il a du crédit auprès de Mancini, mais ça reste trop peu et il doit absolument soit s'imposer à la Roma sous Paolo Fonseca, ce qui n'est pas non plus impossible. Mais vous savez, quand un entraîneur part avec un a priori sur vous, ça devient compliqué. Surtout si vos coéquipiers ne tirent pas dans le même sens pour vous faire revenir. Parce que vous le savez, au sein d'un club, il y a beaucoup de politique. Il y a beaucoup de politique interne. Il y a beaucoup de clans, de lobby. Et si vous ne faites pas partie des petits papiers, notamment des joueurs influents du vestiaire, ça reste compliqué pour vous pour ensuite repartir de l'avant. Moi, je la trouve un peu compliquée, cette histoire pour Florenzi. Qu'est-ce que je ferais à sa place? Je ne sais pas. Soit vraiment, je veux faire l'Euro, absolument. C'est une grande compétition internationale. Soit je me dis, j'aurai le temps de jeu que j'aurai, mais je resterai à la Roma parce que cette ville, j'en suis amoureux, ce club, j'en suis amoureux et je peux retourner cette situation. Voilà, donc c'est aujourd'hui, il a un petit peu le cul entre deux chaises. Il doit se poser les bonnes questions. En tout cas, nous aussi, on doit se poser les bonnes questions. Si on se place sur Florenzi, est-ce qu'on est capable de mettre ces 25 millions d'euros pour concurrencer Léo Dubois en prenant des risques, en faisant confiance à Rudy Garcia? Parce que Rudy Garcia, il faudra attendre le mercato hivernal, mais je crois qu'il aura beaucoup son mot à dire. Et ça risque de mettre un petit peu la zizanie dans notre cellule de recrutement. Parce qu'il va vouloir imposer ses choix. Et s'il commence à dire « je veux ça, ça, ça », comme il a fait à l'OM, parce qu'il a voulu, je vous rappelais, Radonjić, Tchaletsatsar, c'est lui. Et aujourd'hui, c'est loin d'être des joueurs qui font merveille aujourd'hui avec le club marseillais. Strootman aussi. Strootman, voilà, c'est pas non plus aujourd'hui des vraies réussites pour le club marseillais. Donc il faudra voir. Florenzi, ça pouvait ressembler à un très bon coup il y a quelques saisons, mais on n'aurait jamais pu se placer dessus. Mais aujourd'hui, un joueur qui est en nette perte de vitesse, en nette perte de confiance en lui, est régulièrement blessé. Moi, je dis non. Mais les gones, vous allez me dire en commentaire, vous, ce que vous pensez de Florenzi. S'il y a d'ailleurs des fans de l'AS Roma, qu'ils n'hésitent pas à dire ce qu'ils pensent de Florenzi. Dites-moi tout, ceux qui suivent la Serie A, qui connaissent bien l'AS Roma, dites-moi ce que vous pensez du joueur italien. Bonne ou mauvaise pioche pour l'Olympique Lyonnais. Dites-moi tout en commentaire, les gones. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier une nouvelle fois de votre fidélité à cette chaîne, de vos très jolis commentaires, toujours bienveillants, toujours sympathiques, vraiment très très cool. Merci en tout cas. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Mettez un petit pouce bleu, les gones aussi, ça fait plaisir. Et partagez sur vos réseaux sociaux. Plus on est de fous, plus on rit. Très bonne fin de week-end à vous les gones. On se retrouve la semaine prochaine. Il y aura d'autres vidéos, puisque retour au championnat. Aïe, aïe, aïe les gones. Je crois que c'est contre l'OGC Nice. Ça, c'est encore un match de la peur, mais on aura l'occasion d'en reparler. Très bonne fin de week-end à vous. Profitez de votre dimanche. Ciao, ciao, ciao.